Voilà, nous avons pris une heure pour échanger. J'espère que cette heure ne vous a pas lassé. La parole est à vous. Il suffit, je ne sais pas s'il y a un micro qui va se balader. Je vais prendre les noms ici, ensuite on transmet au modérateur. Alors, il y a des micros. Ah, c'est vrai, vous avez des mais micros. Il y en a partout. Très bien. Donc, vous allumez votre micro et vous posez la question. Ici. Allez-y. Ah, la dame derrière a d'abord posé la question. Merci. De ces interventions, deux questions. La première s'adresse, je suis Anna Aznaou, journaliste suisse, indépendante. Ma première question s'adresse à M. Diop. Lorsque vous écrivez en français ou en wolof, est-ce que cela joue un rôle, est-ce que cela conditionne en quelque sorte la psychologie de vos personnages? Parce que très souvent on sait que le langage, la langue a une influence sur le raisonnement et la manière d'être. Et la deuxième question, ça s'adresse à vous tous, messieurs. Le club suisse de la presse est en général très suivi sur les réseaux sociaux. Et j'imagine que les gens qui vous écoutent, peut-être il aurait eu la même idée que moi. Est-ce que si on veut vraiment en tant que lecteur saisir vraiment l'âme et l'esprit de l'Afrique noire, quelle est l'œuvre emblématique que vous auriez conseillé lire, mis à part évidemment vos travaux à vous? Voilà, merci. Vous ne vous congratulez pas. Je précise au passage que l'Afrique noire est une expression assez équivoque, mais c'est un autre débat. Je pense que Boris va répondre immédiatement. Oui, cela ressort d'ailleurs de tout ce que j'ai dit. Hein. Selon qu'on écrit en wolof ou en français, les personnages sont différents. Les personnages de mes romans en français, au fond, ils sont assez souvent des décalques des personnages, des romans que j'ai lus en français, Malraux, Sartre, ou de ceux qui ont été traduits à Crime et Châtiment, Raskolnikov, etc. Vous vivez avec, et quand vous décrivez vos propres personnages, vous retrouvez en train de revenir en réalité sur vos pas. En fait, lorsque vous passez à votre langue maternelle, tout change. Je pense que même la thématique change. J'ai consacré mon dernier roman en wolof, de la première à la dernière ligne, au naufrage du Djola, qui en 2002, en une seule nuit, a fait près de 2000 morts dans un pays, le Sénégal, qui est loin d'être une puissance maritime. Près de 2000 morts. Et rien que le sujet, eh bien, cela a du sens par rapport à la société sénégalaise. Et donc, les personnages qui sont là-dedans, et c'est peut-être ça aussi d'ailleurs le danger, les Sénégalais les reconnaissent très facilement. Et une des choses qui m'a frappé, lorsque les journalistes ont commencé à résumer le livre, ils m'ont parlé, beaucoup de gens m'ont envoyé des textos, dont Alassane Sekgey, hein, il a été le premier que tu connais bien, en me disant, mais Kinegado, c'est telle personne. Ah, Kinegado, dans le roman, c'est la plus grande poétesse de son temps. Elle est très célèbre, respectée, etc. Elle était, puisqu'elle est morte dans le naufrage du Djola. Mais en même temps, c'est une prostituée de métier. C'est une sex worker. C'est son boulot. Elle l'a choisi parce que c'est ce que la vie lui a imposé, quoi, la pauvreté, etc. Mais aussi parce que c'est une personne qui veut disposer librement de son corps. Eh bien, j'ai reçu plein de textos, mais on a reconnu telle personne. Cela m'a embarrassé d'ailleurs.
parce que je ne pensais pas du tout à ces personnes-là, mais en même temps, on voit que c'est vraiment la définition de Stendhal, le roman, un miroir que l'on promène au bord du chemin. Eh bien, les Sénégalais, quand on écrit en haut, ils regardent dans le miroir, ils voient des situations. Et même l'auteur est tenté par des personnages à clé. Je n'ai pas échappé à cette tentation. Il y a des hommes politiques qui sont décrits, notamment un qui envahissent les médias. C'est un personnage grotesque. Tout le Sénégal le sait. Les gens lisent le roman et ils disent « Mais c'est un tel, hein, n'est-ce pas ?» Voilà. Et donc la proximité entre le lecteur et les personnages, c'est ça qui modifie la psychologie des personnages. Et là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas vraiment l'ambition du premier coup de vous adresser au monde. Et c'est par là que je vais terminer. Parce que finalement, c'est un faux débat. Faut-il écrire pour le monde ou faut-il écrire pour son peuple? Mais l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas écrire pour le monde si l'on n'écrit pas pour le peuple, son propre peuple. C'est-à-dire, je raconte mes histoires sénégalaises, je les adresse à des Sénégalais, c'est leur souffle que je sens lorsque j'écris, seul pour me comprendre. Mais en fait, la question c'est, pour qui écrivez-vous comment dire ça en français? Pour qui écrivez-vous au premier abord? Eh bien, au premier abord, j'écris pour les Sénégalais, mes voisins, mes amis, mes lecteurs sénégalais, ceux qui comprennent le Wolof. Et après, c'est traduit. Et le monde entier y a accès. Je ne vois pas très bien pourquoi nous croyons que nous pouvons échapper à cette règle universelle de la littérature. On écrit pour soi, et ensuite, le reste du monde y a accès. Et je crois que les personnages ont d'autant plus de force, sont d'autant plus vrais que quand vous circonscrivez votre, si je puis ainsi m'exprimer, votre champ de tir. Et après, c'est le travail de. Et pour répondre rapidement à la deuxième question, mais alors la deux secondes, moi, l'ouvrage qui m'impressionne. C'est une question cruelle, en fait. C'est difficile. Mais quand même, un ouvrage comme Sinfo de Paris, le roman de Le Chinois, monde s'effondre. Le monde s'effondre. Chinois HB. Ça m'impressionne beaucoup. J'arrête pas de le lire et de le relire. Voilà. Ça, je pense me permettre de le recommander. Alors, pour poursuivre dans les conseils, je vais demander à Abdelaziz, qui est la minorité linguistique de notre panel, quel est le livre qu'il conseillerait, lui, à quelqu'un qui veut, depuis la Suisse par exemple, découvrir les mondes noirs. Au Soudan. Au Soudan. السؤال موجه لعبد العزيز بعد ما ربك الاغلبيه هنا في اللغه العربيه بتنصح مثلا القارئ السويسري يقرا اي كتاب من كتبك اللي ممكن تعكس الانسان الاسود السؤال شنو الانسان الاسود ده؟ القارئ السويسري مثلا يعني زي تعرف تنصحه يقرا كتاب من كتبك حتى انه يجي فوق قصه الشخص الاسود في السودان طبعا يعني انا اصلا من السودان كتبت كلها شخوص سوداء يعني وفي السودان لا يوجد شخص ابيض اصلا يعني في السودان نحن واسمه السودان فنحن سود يعني وبدرجات مختلفه درجات متنوعه بتطلع ابطالي كل ابطال السودانيين هم سود ففي كل قطب يجد الشخص الاسود ويجد احلام هذا الشخص ويجد الصراع احنا الصراع حاليا في السودان حقيقة ليس صراع يعني صراع بين شخص أبيض وأسود بقدر ما هو صراع بين مجموعة محددة في السودان هي
فيها خليط من مجموعة من القبائل أيضا، يعني أنا ممكن أسميه هي الشكل الإدارة الحكومية الآن أو السلطات في السودان. أوكي. Alors, je suis un homme noir. En fait, d'ailleurs, tous les Soudanais sont des noirs. J'ai écrit les histoires des noirs. Et puis, je peux recommander tous mes romans. Ok, vas-y. يقودها الاخوان المسلمين اللي هم حاكمين السودان 30 سنه الذين في رأي هم يعني هم سود مثلنا لكن افكارهم يعني افكار تعتبر بالنسبه للسوداني يعني الشعوب السودانيه يعني وجودها التاريخي افكار غريبه يعني اوكي مارغري لي فيت كي نو سوم دو نوار مي اون ان بروبليم. Malgré le fait que nous sommes de noirs au Soudan, mais on a un problème en fait de mentalité. Le problème à ce moment-là, en fait, c'est un problème politique plutôt. Il y a un groupe qui a pris le pouvoir au pays et puis il a pensé à imposer un certain idéologie, un certain pensée sur les peuples soudanais. يعني حكام انا اقصد لان الشعوب احنا متعايشين مع بعض من زمن طويل لكن يعتبروا انفسهم عرب بيض في العقل وهم سود في الشكل يعني le problème qu'on a des gens qui sont de noir mais ils pensent qu'ils sont de blanc leur culture les cultures les pensées c'est les pensées des blancs malheureusement ils sont maintenant au pouvoir déjà là et puis ça fait une dichotomie entre eux et puis les peuples soudanais ou les gens qui se mélangent pendant des années sans problème, sans complexe. Merci beaucoup. Je vais poser la même question hein, à Ambroise et à Théo. Peut-être en commençant par Théo, quel est le conseil, l'ouvrage que tu conseillerais Théo et ensuite Ambroise nous dira quel est l'ouvrage qu'il conseille. Oui, simplement, c'est une très belle question d'ailleurs. Ça rejoint ce que je pense par rapport à ce qu'on peut faire comme écrivain par rapport à la responsabilité et à la tâche qu'on a par rapport à son pays ou à sa culture d'origine. Mais pour exemple, ce que j'allais dire, c'est-à-dire Things for la Patte, effectivement, Chinois achevé, le monde s'effondre. En traduction, je crois, tout s'effondre, je crois, maintenant, chez Actes du Sud. Mais je vais quand même ajouter aussi. Il y a Le pauvre Christ de Bomba, c'est le roman d'un jeune homme de 23 ans à peu près. Ce qui est intéressant à voir, le christianisme aujourd'hui, ou l'islam, le christianisme est peut-être une religion africaine aujourd'hui sans doute, mais il y a eu un moment donné où c'est arrivé, vous comprenez, et ça n'a pas été... Comment ça s'est passé? Comment? Eh bien, dans ce roman, Momo Betty, le pauvre Christ de Bomba, comme le dit le titre d'ailleurs, ça traite la pénétration du christianisme chez les Bantous, quelque part dans le centre du Cameroun. Il y a beaucoup d'humour, c'est très intéressant. C'est puissant comme roman. C'est extraordinaire ce que ce jeune homme a fait, qui n'a pas fait la théologie, mais qui a écrit cela. Je ne peux pas parler longuement, il vaut mieux que je m'arrête, mais je pense que c'est un bon roman aussi. Oui. Mais je suis assez embarrassé par ce genre de questions parce que, comme a souligné Boris tout à l'heure, l'Afrique, c'est un continent avec plus de 50 pays. Même s'il y a des textes qui peuvent être reconnus par tous et par chacun, c'est toujours très difficile de généraliser. Et je dirais, bien qu'il n'y ait pas des littératures, des œuvres littéraires par pays, n'est-ce pas, on peut véritablement penser que c'est par région qu'on pourrait de cette manière-là penser à des textes représentatifs dignes de ce nom. Et de ce point de vue,
Je trouve que les bouts des bois de Dieu de Saint Ben Ousmane sont des textes quand même fondamentaux de la littérature en Afrique. Je trouve que les soleils des indépendances sont aussi un texte... Amadou Kourouma. Oui, enfin, d'Amadou Kourouma, sont un texte quand même majeur pour la littérature africaine, etc. Quoi. Je pense qu'il faudrait prendre un texte comme ça pour tout le continent africain, me semble... extrêmement difficile dans le contexte aujourd'hui. C'est possible pour aller vite, mais je crois que il faudrait être plus précis. Et même il faudrait voir en Afrique du Sud le texte d'Ezekiel Mfalele, j'oublie le titre. Le pleur. Ça, c'est Alan Paton. Oui, Alan Paton. Falele, c'est au bas de la deuxième avenue. Voilà. Donc, voilà. Il y a des textes comme ça. Je mettrai des textes par région. Disons peut-être Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique australe. Voilà. Lesquels seraient alors ces textes? Il y a vraiment beaucoup de questions. On va s'arrêter là. Parce qu'en plus, vous me posez des questions à tous. On va nous mettre dehors. Les gens n'auront pas eu le temps de poser leurs questions. Donc, merci beaucoup. Ne le relancez surtout pas. Oui, monsieur, allez-y. Merci beaucoup. Je suis Soudanais et Italien. Je suis... Ça ne se voit pas. Merci. I speak in English because I am more fluent in English than French, and there is absence of English in this panel, as well as absence also of gender. I'm not sure if we don't have also female writers. Or if our literature is still suffering masculinity or not, but this is not the question. What I want to stress here, because I'm friend of Abdulaziz and also one of his fans, Abdulaziz in his writings, he touches the taboo. He put some flavor in his writings. Speaking about the marginalized people and the oppressed, and this also he put a flavor putting the sex in each, even if it is imaginative sexual relations, he touches that give the Sudanese readers the appetite to go and read his books. Even the alphabet, the analphabet people, they have the narration, no? They tell the story, because our literature is also translated or transmitted through the talkative. It's not only written. This is one of the major successes for Abdulaziz, and the translation of his books is not a coincidence. Now my question also to now is he's abroad in African context, because our Sudanese identity is not only a Arab, being Arabs or being African, but being Sudanese, and this is our real reality, and we are suffering this crisis of identity, and I think this is also common in most of the African countries, especially if we took the Egypt. The Egyptians, they don't consider themselves Africans. They write in Arabic, but they consider themselves Arab. And Abdulaziz himself, he is educated in Egypt. He is an economist. He's in his university in Egypt. And he started writing from Egypt, where he started writing his books. So my question here, can we have a lingua franca africana? Some people think that Swahili could be this, but I doubt in that. Thank you. Ok, thank you. Peut-être que c'est Boris qui va s'y coller, hein, une lingua franca pour l'Afrique.
Si Boris permet, je vais peut-être répondre à la première question par rapport au panel. C'est vrai, ce que vous avez soulevé vraiment comme question, voilà, tout à fait, que c'est un panel d'hommes. Alors peut-être pour essayer d'équilibrer tout ça, je vais tout simplement dire que c'est une femme qui a organisé ce panel d'hommes. Donc voilà, je pense que ça va. Merci Agnès. Merci. Merci. Boris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une question qui est très souvent soulevée face à la multiplicité des langues africaines. Bon, est-ce que ce n'est pas encourager la cacophonie que de dire « ouais, chacun doit écrire dans sa langue ». La question a retenu l'attention de Cheikh Anta Diop, elle a retenu l'attention d'un autre auteur important du Ghana, Ayiku Arma. Eh bien, Cheikh Anta Diop dit qu'il faut fonder les études, le système éducatif africain sur les antiquités égyptiennes, sur le modèle de l'Occident fondant son acquisition du savoir sur le gréco-latin, le monde gréco-latin. Et Ayiku Arma, lui, il dit, bon, alors, quelle va être la... Maintenant, il y a un besoin pour les Africains de s'identifier, de parler une langue. Et si on y regarde bien, c'est cela qui fait la chance des langues occidentales. C'est elle qui permet aux Camerounais, aux Gabonais, aux Sénégalais, aux Tchadiens, aux Soudanais, l'anglais ou le français, de communiquer. Et c'est quand même une question de fierté, je pense, africaine, négro-africaine même, je dirais, la question de cette lingua franca, de cette langue africaine, pour ainsi dire, continentale, universelle. Et lui, il a deux propositions. Il a écrit un livre qui s'appelle « Remembering the Dismembered Continent » et il dit la première proposition, c'est un Égyptien ancien simplifié, parce que c'est un grand disciple de Cheikh Anta Diop, que c'est ça qui a sa préférence comme langue africaine continentale. Et la deuxième, si la première pose trop de problèmes, il dit mais le Swahili, pourquoi pas. Voilà les deux propositions qu'il fait dans son ouvrage. Et là, je pense que plusieurs problèmes sont réglés du même coup, c'est-à-dire on a quand même, on cesse de donner au monde l'impression que l'Afrique n'a pas de langue. Finalement, nous sommes les seuls auteurs au monde écrivant dans une langue que nos populations ne comprennent pas. C'est rendu à ça, quoi qu'on dise. Hein. Nous sortons de cette impasse-là, mais en même temps, eh bien, libre cours à Babel. Que l'histoire se fasse, que les langues s'affrontent, mais les Africains, on ne pourra plus leur sortir l'argument si vous développez le Douala, le Wolof, le Poular, le Serer, etc., le Senoufo, vous ne pourrez plus vous comprendre. On se comprend, mais en même temps, les dynamiques internes des langues, et qui sont tellement différentes d'un pays à l'autre, la situation du Sénégal est tellement différente de la situation du Cameroun, du Gabon ou du Togo. Les dynamiques internes, eh bien, elles évoluent. Et puis, l'histoire a toujours été une affaire de longue haleine. Ce pas des questions qu'on va essayer de régler sur 10 ans, 20 ans. Non. Quand je dis l'histoire suit son cours, ça veut dire qu'on se met dans le sens de l'histoire et on se dit, ben, dans 50 ans, dans 100 ans, etc., peut-être que dans chaque pays, à côté du Swahili, il y aura une langue qui va émerger. Mais comment? Ça, c'est interne. Et un pays comme le Rwanda, qui a quand même tendance à donner l'exemple, quitte d'ailleurs à passer pour le pays qui est donneur de leçons, mais le Rwanda vient de décider qu'à côté du Kinyarwanda, de l'anglais et du français, le Swahili devient une langue officielle du pays. Ouais. Ça fait un, deux mois qu'ils ont décidé ça. Mais je pense qu'il faudrait essayer d'aller vers cela. Je ne dis pas que ce sera simple, mais en tout cas, c'est une solution.
Et ce soir, nous aurions parlé en swahili tout. Absolument. Monsieur, merci beaucoup. Je vais du Rwanda. J'ai deux questions. L'une est sur la lecture et l'autre est sur l'écriture. C'est présomptueux de poser une telle question, c'est-à-dire pourquoi on ne lit pas en fait en Afrique? Pourquoi on lit à peine? Quels sont les facteurs qui font que ici en Occident, on a commencé à lire et à aimer la lecture depuis très longtemps? Ou alors, quelle est l'époque où l'amour de la lecture a été vraiment déclenché? Est-ce que c'est l'industrialisation et évidemment l'industrie du livre qui va avec, ou l'imprimerie qui avait commencé à une certaine époque? Et pourquoi on n'écrit pas aussi? Au Sénégal, au Cameroun, au Congo, en Guinée, qui n'est pas un grand pays, il y a quand même eu l'éclosion des écrivains depuis des années. Dans d'autres pays, les Grands Lacs par exemple, pour ne pas citer le Rwanda, on écrit à peine, ou plutôt on n'écrit pas. Quels sont les facteurs qui font que les ressources pour écrire viennent? Pourtant, au Rwanda, on a vraiment des ressources qui peuvent inspirer les écrivains. Bien qu'on connaît le génocide qui a complètement anéanti la société, l'économie, etc. Heureusement que les choses avancent d'une manière phénoménale, comme vient de le dire Baka Bolisio, qui Rwanda donne des leçons dans beaucoup de choses, enfin plutôt peut inspirer. Et d'ailleurs, en passant, Jenda Pariti, Rwanda, on a gagné le pari en mettant les femmes au Parlement, au 64% des parlementaires sont des femmes. Donc, mais j'imagine que madame a essayé de trouver quand même les panélistes, mais que la disponibilité n'a pas été trouvée. Donc voilà, je voulais quand même dire aussi que nous avons aimé vos débats. Vous avez au moins le lectorat dans cette salle qui peut vous suivre. Je peux assurer que, témoigner que quand j'ai lu le livre de Boubacar Boris Diop, son échange épistolaire avec l'écrivaine malienne, je n'ai pas dormi. Je l'ai lu jusqu'à 5h du matin et j'ai écrit un message au Bakar Boris Diop tout de suite en lui posant des questions, trop de questions, passionnées. C'était passionnant. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais de manière arbitraire décider que pour vos deux questions, c'est Ambroise qui va répondre et j'espère que les prochaines questions seront pour Théo. Ambroise. Bien, les réponses que je peux donner sont assez simples et connues. Hein. D'abord, pourquoi on ne lit pas, pourquoi on n'écrit pas? Et par rapport à l'Europe, notre niveau éducatif est faible. Il faut d'abord le dire. Dans les langues, quelles que soient les langues, le niveau d'éducation, c'est-à-dire d'accès à l'écriture, il est faible. Depuis la colonisation jusqu'à l'heure actuelle, parce que, comme vous le savez, les politiques publiques n'ont pas été des politiques axées sur le développement de l'éducation. Parce que les régimes qui ont, je ne parle pas des régimes coloniaux, les régimes qui ont succédé, qui ont géré la post-indépendance, n'étaient pas des régimes tellement favorable à l'éclosion du savoir. C'était plutôt des régimes qui tentaient de contrôler, de maîtriser, de museler dans la plupart des pays africains. D'accord ? Donc ça c'est une évidence. Et même jusqu'à aujourd'hui, les priorités dans beaucoup de pays africains, peut-être hormis quelques-uns comme le Rwanda, l'accent des politiques publiques, ce n'est pas sur l'acquisition du savoir. Okay. Et deuxième chose,
nous sommes quand même, dans la plupart, pour la plupart des pays africains que nous sommes des pays pauvres. Pauvres matériellement. Et la production du savoir est extérieure à l'Afrique. Donc nous devons importer le savoir. Et nous avons, et étant pauvres, nous n'avons pas nécessairement les moyens d'importer ce savoir. Et les priorités, quand nous pouvons importer, sont ailleurs. Je ne dirai pas où ces priorités-là sont, mais en tout cas, ce n'est pas dans l'investissement pour l'acquisition du savoir. Dernière chose, nous sommes aujourd'hui, malheureusement, envahis par le numérique, qui n'est pas nécessairement, qui ne favorise pas nécessairement l'accès au savoir, l'accès à l'imagination, l'accès à l'écriture, l'accès au savoir. Le numérique, c'est extrêmement superficiel. Surtout quand il est véhiculé dans les conditions que nous avons en Afrique. C'est-à-dire que c'est un numérique pour lequel nous n'avons pas de support, ni de support en matériel, ni de support en équipement pour avoir accès à véritablement un numérique de qualité. Donc, on court vers là dans l'espoir qu'on va avoir accès au savoir et on n'y arrive pas. Donc, je crois que, mais véritablement, ce qu'il faudrait, ce sont les politiques publiques qui ne nous permettent pas d'avoir accès au savoir. Alors que, dans les pays occidentaux, la comparaison n'est même pas possible, il y a eu un accent qui a été mis sur, en France, pour ne parler que de ce que je sais le mieux, l'école est libre, gratuite et obligatoire. Libre, gratuite et obligatoire. Jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la fin de l'adolescence. Mais trouvez-moi un seul pays d'Afrique où l'école est libre, gratuite et obligatoire. Il va, qui peut y aller. Et les autres, ils sont délaissés pour compte. Voilà ce que je peux en dire. Merci beaucoup, Ambroise. Tout à coup, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Alors, attendez, que je vois comme il y a beaucoup d'hommes qui ont pris la parole. Je vais volontairement donner la parole d'abord à des femmes, sinon on risque de me reprocher de... Voilà. Donc, je vais commencer par Agnès, ensuite ce sera Awa, et vous, monsieur. En fait, j'ai deux petites questions. La première, en fait, c'est demander à vous, messieurs, si, comme j'ai entendu, la plupart d'entre vous habitez en Europe et écrivez en Europe, etc., est-ce que vous avez eu à étudier le lectorat européen lui-même ? Voilà. Parce que, est-ce qu'on ne surestime pas aussi, parce qu'il y a toujours la comparaison, on lit beaucoup en Europe, on ne lit pas beaucoup en Afrique, est-ce qu'on ne surestime pas quelque part aussi le lectorat européen qui lit en Europe en fait ? C'est la question que je vous pose. Et puis, au niveau de ce qu'on écrit en fait, est-ce qu'il n'y a pas une certaine littérature qui existe en Europe et qui n'existe pas encore en Afrique ? C'est-à-dire une littérature, je veux dire, récréative, en quelque sorte. Parce que pour avoir vécu des deux côtés, en fait, du monde, en Afrique et puis en Europe, je n'ai pas le sentiment, moi, je n'ai pas vraiment ce sentiment qu'on ne lit pas en Afrique, très, très honnêtement. J'ai le sentiment qu'en Afrique, il n'y a pas encore de lecture récréative. Ici, en Europe, moi, je vois autour de moi mes amis, etc., ne lisent pas tellement la littérature en tant que telle. C'est une littérature noble. Les gens ont des livres plein à la maison, mais ce sont, comment dire, ce sont des... je ne sais pas comment appeler... Gratuit. Non, voilà, je ne veux pas donner de nom, j'ai des livres en tête, je n'ai pas envie de les citer pour ne pas poser de tort à quelqu'un, mais... Je ne sais pas, si vous comprenez ce que je veux dire, la différence des littératures, en fait, il y a une littérature récréative et il y a une littérature d'un certain niveau, que ce soit en Europe ou que ce soit en Afrique, je n'ai pas l'impression qu'on la lise plus dans un endroit ou dans un autre. Est-ce que vous avez... Et plus, qui lit ? Qui lit en Europe ? On parle de la ménagère de plus de 50 ans, pour une fois qu'on la prend en considération. Et voilà, et en Afrique ? Que fait cette ménagère de plus de 50 ans ? Les jeunes, que lisent-ils en Afrique ? Que lisent-ils en Europe ? Alors, voilà.
Alors j'aurais voulu que Abdelaziz réponde également, mais finalement, non. Je vais peut-être lui réserver la question d'Awa tout à l'heure, et je vais laisser Théo répondre à Agnès. C'est difficile, quoi, en fait. Tu me laisses la question difficile. Et sociologique, économique, etc. Moi, je ne sais pas. Évidemment que, ouais, bon, on peut pas, il faut pas non plus exagérer ce qu'ils disent en Europe. Effectivement, il y a une minorité toujours. Hein. Le livre, la lecture est une activité qui n'est pas nécessaire. On a faim, on a soif, on veut voir des matchs de foot, il y a des besoins directs. Le livre ne correspond, on peut vivre sans lire. Et il y a beaucoup de gens, finalement, donc, qui ne lisent pas forcément, mais qui, en fait, dans une société comme celle-ci d'ici, recueillent la lecture des autres, dans la mesure où ils bénéficient indirectement de ce que lisent les autres, ne serait-ce qu'en cas de l'enseignement, des contacts, de la télévision, des médias, etc. Donc il y a ce phénomène aussi. Je pense que, bon, qui lit, qui ne lit pas, ce qu'il faut, il faut distinguer peut-être, moi je pense, hein, en fait, on parle plutôt des achats de livres, en fait. Quand on dit un best-seller, on parle plutôt de ce qui a été vendu. Est-ce que les gens lisent, est-ce qu'ils vont jusqu'au bout ou pas, c'est une autre affaire, ça c'est très personnel et difficile à mesurer. Mais on parle en général, quand on dit qu'ils lisent, etc., on parle de ce qui a été acheté chaque saison. Alors, bêtises récréatives, etc. Moi, je pars du principe que qui a eu des enfants, etc. Moi, je pars du principe que il faut accepter le principe que la lecture est un fonctionnement du cerveau qui est bon, enfin, qui est bon, quoi. Je veux dire qu'il faut accepter le principe. On peut pas, puisqu'on ne peut pas imposer ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, puisque ou ce qui est élever ce qui ne l'est pas, comme on serait dans l'Union soviétique, on serait dans la Corée du Nord, on serait à d'autres époques. Eh bien, il faut assez. Moi, je pense que du moment où le lecteur aime lire ce qu'il a lu, c'est légitime, me semble-t-il. Alors, il lit ce qu'il peut lire, c'est-à-dire ce qu'il peut, ce que son histoire, son cerveau, ou je ne sais pas quoi, lui permet de lire. Donc, moi, je pense que pour ce qu'il a fait, et ça, c'est vrai, là, je peux vous répondre, parce que j'ai eu quand même, en tant qu'écrivain, à parler avec des Africains qui m'ont souvent dit la chose. C'est-à-dire que notre littérature ou nos écrits, mais vraiment c'est ce qui m'a été dit plusieurs fois, est vécu comme quelque chose, comme un repoussoir. C'est-à-dire, les Africains, ils sont en Europe, je parle de ceux qui sont en Europe, hein. Ils arrivent, ils sont des soucis, ils connaissent tout ça en fait, ce qui est dit. Ils estiment qu'a priori, hein, pour me référer à une lectrice de la campagne en faveur de Delicatessen, par exemple, qui m'a dit que voilà, quand tu l'as appelé, pour l'inciter à acheter le livre, eh ben, elle a hésité pendant longtemps parce qu'elle se disait ça va encore être un autre des livres sur l'Afrique, les politiques, etc. Et ça ne l'intéressait pas. Et elle m'a dit ce que je disais, mais ça, elle était franche, je disais, je ne sais pas, 50 nuances de gris, je ne sais plus, il y a un livre comme ça. Non, mais elle était sincère. Et pourtant, cette personne a commenté mon livre avec une intelligence. Je lui ai dit, c'est pas possible. Mais Elle n'a pas envie d'aller lire, voilà quoi, elle a pensé que les livres d'auteurs africains, c'est encore les mêmes soucis, etc., et que voilà, elle a envie de ne pas y mettre la tête, c'est ça. Donc alors, et pourtant, quand elle a lu mon livre, effectivement, bon, ça avait l'air de lui plaire, et je lui ai dit que, bon voilà, il faut sans cesse vérifier à chaque fois, que même si les livres d'auteurs africains ne sont pas forcément toujours des livres qui allait dire prendre la tête quand même, le craint. Donc tout ça, comment dire, c'est vrai, je pense que, et ça je termine là-dessus, que c'est délicat à dire parce que les mots nous traînent ailleurs. Il faut pouvoir écrire, je parle des écrivains, africains, des romanciers africains, il faut pouvoir, comment dire, disons que moi, Delicatessen, je l'ai écrit, j'ai fini un précédent livre, qui est un livre consacré à un auteur, à un écrivain congolais. Je savais ce que c'était. J'étais content de l'avoir écrit, de mon inspiration, mais je savais que ça limitait son lectorat. J'étais conscient de cela. Je savais cela. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Pas plus tard qu'encore aujourd'hui, j'ai reçu donc d'un professeur d'université qui m'a envoyé un texte longuement là-dessus. Et je savais ça. Ce n'est pas péjoratif, mais oui, je savais, je voulais faire ça. Mais aussitôt après, quand je l'ai envoyé à mon éditrice, dès le lendemain, je me suis mis à Delicatessen et c'est le titre, c'est pourquoi je donne le titre de Delicatessen, je voulais que ce soit un livre qui plaise à lire.
Alors, mettons, c'est toute la question, savoir, évidemment que le président que je fais plaît, mais à qui? Et donc, le deuxième, donc, moi je voulais que Delicatessen soit quelque chose d'agréable à lire, et je dois dire que, y compris là-dedans qu'ailleurs, j'ai, j'allais dire, traité de mes préoccupations habituelles par rapport à l'Afrique, de mes soucis par rapport à l'Afrique, mais j'ai essayé d'imaginer, j'ai commencé comme une espèce de polar, et avec les ingrédients propres au polar, et ensuite ça s'est allé. Mais pour finir, encore une fois, le roman que nous avons primé, et le, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, comment dire, le Bayuri vs Babylon, c'est un roman, je veux dire, a priori, si on dit à des Africains ou à des Antilles, noirs, oui, mais c'est un ghetto de Kingston avec les soucis, les gens qui se tuent, enfin, c'est l'équivalent de Soweto, on va dire, oh là là, c'est. Mais je pense que ça était quand même le cas pour tout le monde. Quand vous lisez, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un plaisir à lire. Ouais. Tout comme un livre qui se passe, qui parle de guerre, de mort, c'est qu'il y a le phénomène de ce phénomène particulier. Un livre qui peut parler de la mort, des choses, un livre peut être plaisant à lire. Il y a un plaisir intellectuel ou littéraire qu'on peut avoir. Et tout dépend maintenant du talent de l'écrivain. Et ce roman-là, Bayuri sur Babylon, c'est un roman magistral. Et on est heureux quand on l'a fini parce qu'on a lu, on est dans un univers qui pourtant n'est pas un lieu qu'on aimerait bien. On aimerait visiter même, hein, en passant. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi. Donc, difficile, je ne sais pas. Voilà, on n'est pas, il n'y a pas de réponse. Je vais juste rebondir sur Christian. Si non, 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 si je peux me permettre. Ça ne m'arrange pas, s'il vous plaît. S'il te plaît, juste une petite seconde. Pour rebondir un peu sur ce que disait Théo, est-ce que alors entre l'écrivain africain justement et son public, est-ce qu'il ne manque pas un maillon? Un maillon. Bon. Un maillon africain. Stop. Voilà. Stop. C'est peut-être Boris qui va y répondre, parce qu'il voulait rajouter deux mots. Mais vraiment, pardonnez-moi, parce qu'il y a, j'aimerais que les autres posent la question. Je regarde l'horloge. Je crois qu'à 21h, on nous sort d'ici et le temps passe vite. Je regarde mon petit frère Gourgui, l'air terrifié. Je m'excuse. Hein. Mais de deux secondes seulement. Hein. Moi, je suis d'accord. Quoi. Il y a quelque chose qui manque et il va falloir. On dit que quand un livre africain est publié sur le continent africain, son lectorat est à 75% africain, mais quand il est publié en Europe, la proportion s'inverse, quoi. Mais c'est vrai que ça fait quand même des années qu'on dit cela. Il faudrait affiner les chiffres. J'ai rencontré des journalistes japonais à Dakar. Bon, ils me posent des questions sur la littérature africaine et je leur explique. Et puis le gars, il éclate de rire. Il me dit, mais vos livres, je n'en parlerai jamais à mes lecteurs parce que ça n'intéressera pas les Japonais. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux et moi, voici comment je l'ai compris. C'est trop sérieux, ça ne veut pas dire que les Japonais n'aiment pas les histoires sérieuses. Ça veut dire que, venant d'Afrique, ils s'attendent à quelque chose de plus distrayant. Les problèmes des Africains, que les Africains en parlent à eux-mêmes, mais qu'ils ne l'imposent pas au monde. Maintenant, d'une manière générale, je pense que la remarque est juste, mais quand même, la situation évolue. Vous avez, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un phénomène éditorial intéressant depuis plusieurs années. Il y a des éditeurs qui publient des genre collection, presque roman de gare. Roman de gare, rose avec des histoires, etc. Isaïe Buton-Koulibaly est le grand spécialiste de cela. Ses livres marchent. Très bien. Voilà, ce n'est pas vraiment des chefs-d'œuvre impérissables dont on va parler dans la postérité, mais il y a un lectorat, il y a des gens qui lisent ça. Et donc, je pense que cette expérience-là mérite de retenir l'attention. Et pour mettre un bémol à tout ce que nous avons dit jusqu'ici, je vais ajouter deux choses. La première, c'est que la circulation des textes, elle n'est pas la même en Afrique et en Europe. Parce que en Afrique, le même texte, j'en sais quelque chose, tous les livres que j'aime et que je lis, ça passe de main en main. Ça circule quand même beaucoup. Ce n'est pas un objet qu'on a dans on le lit, quelqu'un dans la famille, et puis on le garde. Je crois que ça aussi, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas quantifier. Et la deuxième, c'est quand nous parlons de public, qu'il s'agisse de l'écriture africaine ou pas, de réception des textes,
parlons aussi des couches de réception. Lorsqu'un roman sort, Délicatessène ou un autre, il y a une première phase de réception. J'appelle ça couche de réception émotionnelle, les journalistes qui disent ce qu'ils pensent ou qu'ils aiment ou pas. Et puis le livre, bon, sur les 5-6 premières années, il y a cette forme de réception. Mais en même temps, il y a d'autres couches de réception qui suivent quoi derrière. Pourquoi parlons-nous aujourd'hui encore des Soleils des Indépendances, des Bouts de Bois de Dieu? C'est des livres qui datent de longtemps. Ça aussi, ça fait partie de la réception du texte. Et c'est peut-être cela ce qui compte. Parce qu'un best-seller, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Il arrive que des auteurs vendent très bien et soient géniaux. C'est le cas de Chimamanda du Nigeria, c'est le cas de Coetzee, c'est le cas de Arundhati Roy. Mais c'est l'exception. La plupart des livres dont on parle, qui sont vendus un peu partout, comme ça, les télés, mais en fait, vous y allez, vous ne trouvez rien. Et il y a des livres qui passent inaperçus lorsqu'ils sortent, et puis, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, on les découvre, ou on les redécouvre. Il y a eu le livre de Wologhem, Devoir de violence, est resté pendant longtemps en enfer, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, il ressort et tout le monde se précipite dessus. Voilà. Je crois que aussi la lecture de ce phénomène, l'écrivain face à son public, c'est pas seulement le texte quand il est là, le public est là. Nous sommes tellement arrogants, nous les auteurs, nous avons aussi la prétention d'écrire pour la postérité. Moyennant quoi, quelqu'un comme Stendhal disait au 19e siècle, de son vivant, mais il disait mes livres seront compris en 1984, je crois. On était au 19e siècle. Mais nous aussi, nous pouvons dire ça, que nos livres seront compris en 2095. Voilà. Ça fait partie du débat, hein. Voilà. Ah ouais. Alors, bonsoir à tous. Madame, s'il vous plaît, parlez en prenant un micro. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est en parlant que, en disant que les Africains peut-être ne lisent pas ou toutes sortes de choses, est-ce que c'est pas vous qui ne vous adressez pas aux Africains, par exemple? Et juste un autre truc, juste à dire que, par exemple, je parle de... Alors, attends, Awa, j'aimerais que vous traduisiez ma question à Abdelaziz, parce que c'est lui qui va y répondre. Sa question. Ouais, d'abord, au début. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas les écrivains africains qui ne s'adressent pas aux Africains? Est-ce que c'est un écrivain, par exemple, vous écrivez toujours des livres en rapport avec l'Occident, c'est comme les Occidentaux écrivent des livres, c'est cette façon que vous écrivez des livres. Est-ce que c'est une façon de s'adresser aux Africains? Est-ce que vous pouvez traduire? Oui. Okay. La question Abdelaziz Moudjali, quand nous avons l'affaire de nous ne l'écrivons pas, est-ce que c'est que les kutabes l'affaire ne l'écrivent pas l'affaire de l'affaire de l'écrivain ou de l'écrivain? Je finis juste, j'ai pas fini. En fait, par exemple, je parle du cas de la Mauritanie qui ressemble beaucoup au cas du Soudan où on a plusieurs langues, par exemple, il y a le peul, l'arabe et toutes sortes de choses. Et j'ai remarqué quand j'étais petite que les gens, quand ils ont commencé, on leur a montré simple, ils ont écrit le peul, qui est ma langue maternelle. Et les gens, quand ils ont compris qu'ils pouvaient écrire, et tout le monde s'est mis à écrire, mais y compris des ménagères qui allaient au champ et qui n'étaient pas du tout des gens qui étaient intellectuels ou qui ont été à l'école. Et l'échange de textes, et c'était, ils faisaient de la poésie qui était vraiment magnifique. Et les gens s'échangeaient des textes, ça a créé. C'est comme si on leur a donné en fait des lettres. Je sais pas comment dire ça. Et c'était comme moi, par exemple, que j'ai trouvé extraordinaire. Est-ce que les écrivains africains, est-ce que vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, écrire de cette manière ou écrire l'oralité, j'en sais rien, je ne sais pas comment dire ça. Parce que les gens, ils écrivent, mais la chose se dit oralement. L'écriture n'est pas vraiment importante, ils écrivent peut-être pour le dire oralement.
Est-ce que c'est quelque chose que les écrivains africains pourraient faire en s'adressant aux Africains? Voilà. Là aussi, vous pouvez traduire. Oui. Je ne sais pas comment vous allez faire. Non, en arabe, il n'y a pas de problème, comme compatriotes aussi. طيب الجزء الثاني من السؤال يتعلق بالوضع في موريتانيا. موريتانيا زي السودان في تشابه في أشياء كثيرة. عندهم عدد كبير جدا من اللغات العربي وال. pardon. est-ce que j'ai besoin de répéter ou non? non. سلام. هاي كويس. طيب موريتانيا. موريتانيا تشابه مع السودان. عندهم لغات كثيرة. عندهم اللغة العربية. عندهم اللغة بتاعت البول. عندهم لغة بتاعت غولف أعتقد. وفي لما كانت هي طفلة كانت بتبادلوا بعض الرسائل بلغة البول، والناس كانوا سعيدين جدا جدا وفرحانين بأنه لغتهم بتتكتب. لكن هو مع التطور والمدارس وما شابه ذلك التجربة دي ماتت، والتبادل الآن بتاع اللغة بقى شفاهة. فالسؤال هل دي ممكن تكون مفيدة للكتاب الأفارقة في أنه يعني يستغلوها في توصيل رسائلهم للناس حتى انه يحرم الامية تحت حرم القراءة. كويس، الجزء الاول شكرا حواء، الجزء الاول من السؤال يعني ليه الافارقة ما يقولون مثلا؟ ميرسي حواء، لا بريمير بارتي بوركوا لي افريكان ان ري با؟ لانه بترجم باللغة الفرنسية. ايوه انا قال السؤال هو السؤال انه ليه الافارقة ما يقولون مش كده؟ السؤال هذا يمكن له اجابتين. الاجابه الاولى، في افريقيا عاده يعني الاشياء الشفاهيه، يعني الشفاهيه بتسيطر على على يعني على النظام القرائي. اوكي الو pour cette question il y a deux réponses. La première réponse, la langue parlée domine en fait la vie en Afrique. وده كلام كثير وشما يعني اسمه شنو وشق معروف يعني. الشيء الاخر موضوع الفقر الموجود في افريقيا والتخلف الاجتماعي والاقتصادي، وده له اسبابه ولا يمكن ان ننكر اطلاقا اننا نحن حاليا عندنا مشاكل في التعليم، يعني مشاكل في الصحه، مشاكل في اشياء اخرى. بالتالي المواطن الافريقي ده يعني هو في صراع مع اشياء كثيره جدا جدا في مجتمعه، يعني حتى ما عنده الوقت للقراءه، بعد ذاك ما عنده امكانيه للقراءه، ما عنده امكانيه شراء الكتب. حتى انه الكتب ما توفر، لا توجد مكتبات عامه مثلا زي في اوروبا، ممكن يمشي اي مكتبه ويقرا يعني. اوكي، لا ديزيون بوان سي لا كيستيون دو بوفرتي. Il y a pas mal de pauvres en Afrique. Et puis les jeunes, franchement, alors, ils ont des priorités qui concernent l'éducation, qui concernent la santé. Et puis le développement social. Il y a des gens qui ne trouvent pas le temps pour lire, tout ça. Et puis il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour acheter même des livres, pour lire. أما موريتانيا مشكلتها معقدة أكثر من السودان، لأنه لا يزال يوجد الرقيق في موريتانيا ويباع ويشترى. En ce qui concerne la Bretagne, le problème c'est plus complexe qu'au Soudan. Parce que, après l'information que j'ai, au Mauritanie, l'esclavage existe toujours. والمشكلة في موريتانيا ليست مشكلة عرب بقدر ما مشكلة دين فهمهم للدين الإسلامي. اولا يعني حتى الان وشيء معروف جدا لا توجد نصوص في الدين الاسلامي واضحه جدا تحرم الرق. Le problème de la Mauritanie à mon avis c'est pas un problème des arabes ou d'africains mais un problème de la compréhension de la religion même l'islam. Parce que dans l'islam il y a pas de verset qui condamne l'esclavage. فبالتالي يعني كل واحد يعني يجد مثلا الواحد لازم يربط بفكرة مثلا ما حدث في العراق وسوريا من الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية في العراق وسوريا. من الأشياء اللي عملوها هي بيع البشر، وعندهم يعني ما يثبت وحسب حاجاتهم، يعني دي فكرة هؤلاء الناس أنه بيع البشر غير محرم. بالتالي وجود عبيد وأسياد ده شيء طبيعي يعتبروه في المجتمع. هذه الفكرة أيضا موجودة عند الموريتانيين. Oui, bien dans la volonté de l'État islamique en Irak et puis en Syrie, la question de l'esclavage a réapparu parce que les gens là, ils pensent qu'ils ont
en l'état islamique, ils ont commencé à appliquer la loi islamique et puis ils ont commencé à pratiquer l'esclavage. في السودان مشكلة العبيد وغير العبيد جاءت هو طبعا موجودة في التاريخ جاءت بشكل مكثف من الدولة السلطنة الزرقاء يعني انا اعتبر انه المشكلة تعمقت بتاعة بيع وشراء الاشخاص في فترة الدولة السلطنة الزرقاء وذلك كانت تجارة الدولة حيث أن الدولة السلطنة الزرقاء تعتمد اعتماد كامل في دخلها على الرق وقليل من الذهب. Alors le problème au Soudan, c'est un problème historique. Il date de décennies ou bien de السلطنة الزرقاء. Alors en fait, c'est pardon. Des anciens, voilà, des anciens royaumes au Soudan, qui à l'époque, la pratique c'était reconnue, ça existe, mais maintenant c'est plus. وهذا الشيء اللي شرحته جيدا في روايه مسح دارفور ولانه ما في زمن ما نتكلم عنها بالتفصيل هذا voilà dans mon roman le Messie Darfour j'ai touché sur cette question là mais maintenant je peux pas franchement élaborer plus. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, le temps qui nous est imparti, voilà, le temps a passé et il y a énormément de mains qui se lèvent. Comment faire? Alors, écoutez, je vais vous proposer un marché. Essayez de le respecter. Mais vraiment, une courte question, pas d'exposé du tout. Courte question et je vais les prendre toutes les trois et puis ensuite on va essayer d'y répondre. Oh là là, on ne pourra pas tout prendre. Monsieur, commencez parce que vous aviez... Merci. Je remercie d'abord les organisateurs. Non, pas de remerciement, posez votre question. Vous avez raison. Notre moyen, donc, en base, comme tout à l'heure réagit donc, quand Théo a parlé de gratuité. Moi, j'étais sur le point de supporter Théo, mais je pense que Théo est revenu sur cela. Je pense fondamentalement que l'acte d'écriture est un acte de liberté fondamentale. C'est ça aussi la question. Étant un acte de liberté fondamentale, la question, parce que la vraiment, ouais. J'ai pas le temps de vous laisser faire un exposé. Posez votre question et on va passer à la suite. D'accord, effectivement, c'est juste peut-être le lien entre donc, l'électorat donc, et l'auteur. C'est juste le lien qui peut être un peu difficile entre l'électorat et l'auteur. Ça ne se passe pas de rendre injustice l'écrivain lui-même. Si à chaque fois on vous renvoie à votre doctorat, est-ce que vous ne perdez pas aussi votre liberté donc, d'écriture qui est un acte fondamentalement donc, de liberté voilà. Ok, c'est Ambroise qui répondra très brièvement. Oh là là, allez-y. Merci beaucoup. Je suis Gibril Kamara et le fils de Khalifa qui a écrit un livre avec Boubou Akelbounis. Magnifique. Khalifa. Ma question est très rapide. Comment Mongobetti a fini avec la création d'une librairie, Sembène Ousmane avec la cinématographie? Comment voyez-vous l'avenir du livre africain? Tout simplement. Merci. Allez-y. Est-ce que l'Africain s'intéresse suffisamment à l'Afrique pour prendre du plaisir à vous lire? Merci. Mais vous voulez tous poser des questions là. Ah là là. Bon. Oui, allez-y monsieur, et puis ensuite derrière. Juste une question. En Europe, il nous faut plus d'heures pour acheter un livre. Combien d'heures de travail faut-il en Afrique pour acheter un livre? Allez-y monsieur. Merci monsieur. Moi j'ai une demande à vous faire. Au Soudan, nous on vit un paradoxe très très compliqué. Je vous demande d'étudier la situation au Soudan, de réfléchir là-dessus, d'écrire. Je ne vous demande pas d'écrire de roman parce que l'histoire c'est très triste, mais de l'artépie. Ça, c'est... monsieur, vous écrivez en Wolof, et puis j'ai apprécié ça. Il y a pas mal de soldats sénégalais, gambiens, qui ont beaucoup des amis au Soudan pour protéger la population civile. Et puis je suis sûr
Et je vais être très content de voir un article au Wolof qui parle du Soudan, de ce qui se passe au Soudan. Et puis ça va les inciter de venir pour raconter les choses aussi. Merci à vous. Ambroise, on va peut-être répondre. Il y a une question là. Non, je... Oh là là. Juste un petit conseil. Monsieur Comme a dit qu'il y a une certaine jeunesse africaine qui est curieuse ces temps-ci, donc qui a commencé à découvrir les non-dits, n'est-ce pas? Et je fais partie. Et une partie de cette jeunesse a envie d'écrire sur cette découverte même. Mais elle ne sait peut-être pas par où commencer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aiguiller? Ok, Ambroise, et puis ensuite Boris. Bon, je vais aller très rapidement, parce que le temps nous manque. Écriture comme art de liberté, je suis tout à fait d'accord. C'est pas moi qui ai soulevé le problème de la gratuité. Je lui renvoyais tout simplement le point de vue d'un de ses congénères. N'est-ce pas, quand il dit que la gratuité dans l'écriture est tout simplement le propre de l'Occident qui peut se permettre de passer son temps dans l'inutilité sophistiquée, alors qu'en Afrique, nous sommes interpellés par des problèmes tellement graves qu'un écrivain africain, n'est-ce pas, ne pourrait pas se permettre d'écrire d'écrire gratuitement. Mais je crois que Théo a répondu, il a remis les choses en place, et je crois qu'on s'est compris. Donc je crois que de ce point de vue-là, il n'y a plus de problème. Quel est l'avenir du livre africain? Je crois que l'avenir du livre africain est vraiment radieux. Est vraiment radieux parce que même si les pouvoirs publics ont pendant longtemps empêché les jeunes d'accéder au savoir, maintenant les jeunes ont eux-mêmes compris que le savoir est impérieux et qu'on ne peut pas s'en passer. Et tel que je l'observe, eux-mêmes s'y mettent maintenant, même contre les pouvoirs publics. Donc, je crois. Est-ce que l'Africain s'intéresse à l'Afrique? Oui, fondamentalement. Et je voulais répondre à la question tout à l'heure, quand Agnès a posé la question sur l'électorat, en disant que, en réalité, ce qui se passe en Occident par rapport à l'électorat, c'est que vous avez trois types de lectorat en Occident. Pendant longtemps, la littérature écrite par les Africains n'était pas enseignée en Afrique elle-même, parce que les régimes, les pouvoirs publics redoutaient ce que les Africains pouvaient avoir à dire au peuple. Et cette littérature-là s'est lue pendant longtemps, beaucoup plus dans les institutions occidentales qu'en Afrique. Et ça, c'est le premier lectorat. Le deuxième lectorat, c'est l'exotisme. Les Occidentaux, n'est-ce pas, quand une Fatou Diome écrit sur la traversée de l'Atlantique et tout cela, c'est assez exotique pour attirer les Occidentaux, et c'est une nouvelle catégorie de lecture, sans compter ceux qui veulent essentiellement lire par curiosité. Je crois qu'il y a ces trois lectorats-là, et tout cela, on ne l'avait pas nécessairement en Afrique. Alors, combien faut-il d'heures à un Africain pour acheter un livre? Le salaire minimum au Cameroun, c'est 30 000 francs CFA, c'est-à-dire à peine 50 euros. Salaire minimum mensuel. Et un livre, la moyenne d'un livre, c'est 10 000 francs CFA, c'est-à-dire le tiers de son salaire, voilà. De son salaire mensuel. C'est pas là la réponse du problème des écrivains en Afrique? Si. Donc voilà, c'est 10 000 francs. Je suis libraire, hein, donc quand je vous parle, je sais. À Genève, il y a des bibliothèques partout où il y a les livres. Pardon, monsieur, ne faites pas le débat, oui, s'il vous plaît, parce que sinon on s'en sort pas. Donc c'est 10 000 francs à peu près, enfin, en moyenne, parce que la plupart des livres sont importés. Les livres ne sont pas publiés, ne sont pas imprimés sur place. Et donc voilà à peu près ce que je pourrais dire sur ces questions qui sont. Je voudrais laisser le temps aux autres. Oui, un mot de la part de Boris. Oui, je ne suis d'accord ni avec Ambroise, excusez-moi monsieur, ni avec vous, et je vais m'en expliquer tout à l'heure. Les auteurs qui créent les librairies, qui entrent dans le cinéma, on a donné l'exemple de Mongo Betty, on peut aussi donner l'exemple d'Aïko Arma, qui a créé les éditions Perenche, avec une unité d'impression, etc. On peut, oui,
moi-même, j'ai créé une maison d'édition. J'ai ouvert une librairie. Bon, ça n'a pas marché avec, avec deux amis. Mais ce phénomène, je pense, est intéressant. Il indique à la fois l'impasse dans laquelle se trouve présentement notre littérature et aussi le désir irrépressible de s'exprimer des intellectuels africains. On essaie de tous côtés. Eux quittent d'ailleurs à sortir de son rôle d'écrivain pour entrer dans un milieu qui est beaucoup plus compliqué. Alors, pourquoi je ne suis pas... Oh oui, oui. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit? Je pense que la question du prix du livre, ben, c'est indéniable, quoi, c'est réel. Je ne suis pas en train de dire, ah oui, que les livres, non, que ça ne pose pas de problème. Mais ces jeunes qui ne peuvent pas acheter des livres, mais ils ont tous des téléphones portables extrêmement coûteux. On achète ce à quoi on s'intéresse. Je ne parle pas des baskets, je ne parle pas... Bon, moi, je... j'enseigne... Ni des vêtements. Quelque part, où les étudiants, c'est carrément des gosses de riches, quoi. Voilà, ils viennent dans des voitures de luxe, etc. On ne me dira pas qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des livres. Ils les ont et ils achètent autre chose. Je pense que la question, en réalité, ça rejoint... Et c'est pourquoi moi, je suis très très réservé quand on dit « Ah oui, les livres coûtent trop cher, et donc ils ne lisent pas ». C'est vrai que c'est une des raisons, mais je pense que le fait que ce soit écrit, faisons face à cette réalité dans des langues qui nous sont étrangères, ça compte. Ça compte. Nous prétendons parler des langues, mais les langues de nos livres nous parlent elles aussi. Et quand nous ne savons pas les entendre, nous n'avons pas tendance à acheter des livres. Et ça rejoint, je pense, une question qui a été posée, à laquelle tu as répondu, c'est, bon, finalement, si je la résume, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de manque de self-esteem, de respect de soi? Je le crois. Je pense que... et ça, ce qui est inquiétant, c'est que plus on va vers les jeunes générations, plus ce manque d'estime, de soi, apparaît, quoi. Et les étudiants dont je parle, bon, je fais avec eux, c'est une partie de mon boulot là-bas, en plus d'enseigner la littérature francophone, anglophone, etc., on a aussi ce qu'ils appellent les cours de creative writing. Donc, écrire des nouvelles, etc., les discuter, les mécanismes, comment ça se passe. Mais, en fait, les 9/10, ils t'écrivent des histoires avec des personnages, avec des noms britanniques. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce que, voilà, vos personnages ne s'appellent pas Adebo Wale, ne s'appellent pas Chris ceci ou... Non! Et sont surpris. C'est-à-dire, il y a quand même un manque d'amour de soi, de respect de soi, qui fait qu'on en est là. Alors, pourquoi les nouvelles générations sont comme ça? Et comme je dis toujours, il y a toujours une multitude de raisons. Moi, une que je perçois, c'est cette espèce de nouvel œcuménisme hypocrite qui dit que le monde, c'est le monde. Arrêtons avec les crispations identitaires. Ne parlons pas de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Le monde, c'est le monde. Il est immense. Nous sommes dedans. Acceptons-le. Voilà, on entend beaucoup d'auteurs dire « Oh, moi, je ne suis pas africain. Je ne vais pas porter l'Afrique sur les épaules. » Mais il ne s'agit pas de ça. On n'entend jamais les Asiatiques dire ça. Les Européens eux-mêmes, ce n'est pas parce que le monde est immense, mais ils ne disent jamais « je ne suis pas européen ». En réalité, oui, c'est ça, et c'est par là que j'ai terminé. En réalité, ce que je constate, c'est que cet œcuménisme, cette demande œcuménique
un peu facile, en fait. C'est toujours le fait des minorités, je vais les appeler comme ça, mais on se comprendra, hein, des minorités ethniques qui cherchent à se repositionner sur la carte du monde, à faire partie de l'intelligentsia mondiale, et c'est rendu à ce que dit, permettez-moi de parler de ce que je ne sais pas, il y a je ne sais plus quel Nouveau Testament, Ancien Testament, ne faites pas attention à la couleur de ma peau, c'est le soleil qui m'a brûlé. Au fond, c'est ça que les gens disent. Mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Mais le message passe au niveau des jeunes. Oui, c'est ça. Comment acheter des livres qui parlent d'un monde que l'on n'aime pas? Finalement, ceux qui n'étaient pas là ont eu tort. Vraiment, merci d'abord à vous d'être venus les écouter, les interroger. Et merci à eux de vous avoir offert un peu de leur savoir, de leur connaissance, de leur expérience. Et mille merci à la scène littéraire et à sa présidente. À tous ces membres qui sont là. Et alors Boris a donné la conclusion à cette soirée. Je vais laisser son petit frère peut-être vous dire au revoir et à la présidente de la scène littéraire vous donner les autres rendez-vous de la scène pour les jours et les heures qui viennent. Merci infiniment à vous. Merci. Agnès, tu peux donner le reste du programme avant que je clôture, s'il vous plaît. Alors, le reste du programme, l'essentiel a été fait aujourd'hui. Une fois de plus, je remercie ces éminents écrivains qui ont daigné répondre à notre invitation. Demain, nous allons tout simplement remettre le prix... Les Afriques, à l'auteur voilà, qui a remporté le prix cette année, il s'agit de Pierre Miller, pour son livre « By the Rivers of Babylon ». Et demain, nous irons aussi écouter, pour ceux qui l'intéressent, vous pouvez venir vers moi, je vais vous donner l'adresse. On ira écouter Boubacar Boris Diop et Théo Ananisso qui auront une conversation sur l'œuvre de Monsieur Diop, qui est immense, comme nous tous nous le savons ici. Ils vont essayer de déchiffrer cette œuvre-là et on se fait un plaisir d'aller écouter. Pour ceux qui ne pourront pas venir, on va enregistrer l'émission et on va la passer dans tous les réseaux possibles et imaginables. Voilà. Je vous remercie d'être venus et puis à bientôt pour d'autres émissions et d'autres activités de la scène littéraire. Merci. Je voudrais remercier vivement le directeur du Club Suisse de la Presse et tout le personnel du Club Suisse de la Presse pour le travail immense que vous avez fait avant pour nous permettre d'être là aujourd'hui. Je remercie les auteurs, ça a été déjà dit, je vous remercie vous public parce que nous savons que nous avons été coincés par deux événements, mais heureusement vous avez été là et je sais pourquoi vous êtes là. La scène littéraire, évidemment, et nous, continent premier, nous ne sommes que de petits serviteurs au service de l'Afrique. Et nous essayons de le faire avec beaucoup de générosité. Je vous remercie. Maintenant, il y a un apéritif qui est là. Je vous remercie. Oh, well.